Popolibon, 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 Popolibon. Beaucoup de la palais, ma diaspora, beaucoup de la palais, ma combattant, beaucoup de la palais, ma congolais. Aux hommes mondes entiers, dans cinq continents, mon kiri, mon bimbabo, s'abonner dans Congo Dialogue. Info à sûr. Et vous pèsez à ma solo. Dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani. Dialogue est sengi tosangana. Nous sommes nés sur ma congolais, tous dans le monde entier. Tous abonnés dans Congo Dialogue Info. Et si vous avez un peu de monde, vous avez une idéologie. Facile en game. Jean, famille, enfants, monsieur le président du conseil d'administration de la SNCC, mesdames et messieurs les membres du cabinet, distingués invités, mesdames et messieurs, conformément à l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, portant nomination du vice-premier ministre, des ministres d'État, des ministres. Des excellences à procéder à la signature. Thank you.
Merci. Père du genre famille et enfants. Procès verbal de remise et réplique. L'an 2023. Le 30e jour du mois de mars, nous, Mesdames Ndaya Lousseva Gisèle, ministre sortant du genre famille et enfants, et Massangou Bibi Nyoko Mireille, ministre entrant du. Photo.
le secrétaire général adjoint du gouvernement, à son Excellence Madame la ministre Gisèle Ndaya, Madame la secrétaire générale Ojan, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectives. Après ma nomination par le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatshibeto, aujourd'hui, par cette remise et reprise, que je viens prendre officiellement mes fonctions en tant que ministre du Genre, Famille et Enfants, et les sentiments qui m'animent à cet instant sont multiples, de gratitude et de responsabilité. Avant toute chose, je rends grâce à mon Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, qui m'a accordé la faveur d'être élevé au rang de ministre. Sentiment de gratitude au Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne en me nommant ministre en charge du genre, famille et enfants, un ministère gigantesque. Aussi, je remercie les chefs, les premiers ministres, chef du gouvernement, Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, pour m'avoir accepté et aligné dans son équipe gouvernementale dont il a la responsabilité. Sentiment de responsabilité parce que je suis devant une nation, une république, que je suis désormais appelé à répondre aux enjeux et défis inhérents aux gens, familles et enfants. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Son Excellence Madame Gisèle Ndaya, Madame la secrétaire générale aux gens, Mesdames et Messieurs, en parlant des responsabilités, je voudrais relever que le combat de la femme pour la parité homme-femme, la protection et la promotion des familles dans la lutte contre les violences basées sur les genres et la jeune fille passe désormais pour être un combat de tous. Si hier il était trop féminin, aujourd'hui, avec la masculinité positive, cheval de bataille du président de la République, je peux me permettre d'affirmer que les avancées enregistrées dans ces domaines sont significatives. C'est ici l'occasion pour moi de remercier et féliciter Son Excellence Madame Ndaya Gisèle pour le travail des titans abattus à la tête de ce ministère. Désormais, lorsque l'on parlera de l'histoire de ce ministère, le nom de Ndaya sera écrit en lettres d'or. Soyez-en fiers. Les changements dans une équipe gouvernementale comme celle de football n'est pas synonyme d'incompétence. Toutefois, le coach peut faire sortir un meilleur pour les garder dans d'autres matchs. De grandes envergures vous attendent. Pour moi, vous demeurez un trésor dans lequel je ne finirai pas d'épuiser. Du reste, pour ma prise de fonction, l'heure est désormais au travail. Beaucoup de défis sont devant moi, car l'enjeu de l'heure m'impose célérité et responsabilité. Ma priorité, c'est de continuer les projets que vous avez laissés pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur les gens, familles et enfants, en mobilisant et en sensibilisant les femmes pour la réélection de notre candidat
à la présidentielle de 2023, à savoir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, vous soignez sur la Congo dialogue, c'est YouTube.